Bon, on a une petite fille qui va pas à l'école parce qu'elle est fatiguée, qu'elle s'est pas levée ce matin. Je préfère qu'elle se repose et qu'elle tousse encore pas mal. On regarde le vlog de Disney parce que Ella du coup ne l'a pas vu et qu'elle voulait le voir. Et je vais vous montrer ce qu'elle a choisi hier comme souvenir à Disney. Voilà, elle a choisi ceci. Avec la petite poupoule. Sa guitare et son jute. Et son Olaf et ses couettes. C'est une poupée. Et son chat. Attends. Et son miroir. Hop, je voulais juste vous dire. Ça coûtait 24,99€. Voilà, donc ça c'est le souvenir qu'elle a choisi. On n'a pris qu'un truc, mais on a eu des cadeaux aussi, je vais vous montrer. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, on est de retour à la maison. Ella n'est pas allée à l'école aujourd'hui. On fait l'école buissonnière. C'est la première fois, à part quand on est allé en Nouvelle-Zélande, mais c'est la première fois qu'elle loupe l'école, que je dois prévenir l'école, qu'elle sera pas là. D'ailleurs c'est très pratique pour prévenir l'école, ça se fait sur internet et tout, c'est trop bien. Ouais, je préfère qu'elle se repose clairement. Ce matin de toute façon elle s'est réveillée qu'à 8h, donc elle était fatiguée. Là elle est, on voit qu'elle est fatiguée, elle joue comme une grande depuis ce matin avec ses nouveaux jouets. Voilà, elle est un peu contrariée parce que son doudou est dans la machine à laver. Voilà, donc du coup maintenant elle vient de te réagir qu'en fait il est dans la machine à laver. Il est en train de sécher là. Et elle est pas très contente de son doudou parce qu'elle est un peu fatiguée justement. Mais bientôt ce sera fini la machine. Je vais faire à manger rapidement. Je vais monter mon vlog ce matin, mais j'ai pas fait grand chose pour l'instant. J'ai un peu rangé le salon. Je suis en train de faire toutes les machines que j'ai en retard et tout. Et là, elle a été sage. C'était cool. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Nico. Il vient de me dire t'as pas fait plus pour ma vidéo. Alors, du coup, j'étais ça. Il a sorti une vidéo qu'il a tournée dans le maquis avec Ella, qui est trop mignonne. Je vous mets le lien ici. Voilà, elle est contente. J'étais en train de dire. Je me suis reposée en ce début d'après-midi, je pense que c'est moi qui est en train de choper quelque chose. Ou c'est parce qu'on a passé un week-end à Disney et que samedi soir je me suis couchée hyper tard pour monter le vlog. Et pendant que ces deux petits énergumènes dormaient, moi je dormais pas. J'ai vraiment passé une courte nuit samedi. Du coup je crois que j'ai accumulé un peu de fatigue. Bref, je me suis reposée. Je vous ai pas montré ce qu'on a eu du coup à Disney. C'était trop chou. Je vais essayer de vous montrer ça. Ils nous ont offert ceci qui est hop, pour les 40 ans de Mickey. Ils ont fait une collection, je crois, ce qui est écrit Mouse Party. Donc je pense que c'est... Hop, voilà. Et on a aussi le mug et j'étais trop contente. On a eu ça, c'est un carnet. Donc c'est un carnet pour les autographes. Mais Ella n'est pas vraiment fan des personnages. D'aller voir les personnages. Elle a été contente de voir Daisy, Minnie et tout. Mais elle est assez timide et impressionnée, donc du coup elle n'est pas trop pour l'instant intéressée et en âge d'aller leur demander des autographes. Ensuite Nico il a eu un nœud papillon de Mickey. Et moi j'étais contente parce que je voulais ce mug, je l'ai eu. Enfin ils nous l'ont offert à la soirée, je le trouvais trop mignon. C'est un mug pareil sur la Mouse Party. Trop chou. Et ils les vendent dans le magasin, je ne sais pas aller voir le prix mais à mon avis c'est quand même pas donné parce que... Généralement ce genre de choses c'est pas donné. Franchement ils ont assuré. Ils nous ont aussi offert les oreilles. Vous savez les oreilles que j'ai portées et qu'elle a portées. On a eu deux paires. On pouvait en prendre autant qu'on voulait. Mais bon on n'a pas pris 40 paires, c'est rare. On a pris celle de Noël. Et on a eu aussi un bijou Pandora. Bon honnêtement je sais, c'est plutôt Ella qui va le garder. Parce que je porte pas trop de bijoux fantasy. Mais c'est cool quand même. Pandora a fait apparemment une édition pour les 90 ans de Mickey. Et donc voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Ça va faire un peu plus. Voilà ce que ça donne. C'est joli, hein. Mais bon, c'est là qu'il va le garder. Bon, et Nico est rentré du travail et regardez ce qu'il fait. Hop, il est en train de faire de la cuisine pour vous faire. En fait, il teste des produits pour des marques et il élabore des recettes. Il imagine des recettes pour ces marques-là. C'est super. Et du coup. Une petite religieuse, ça. Ah ouais, super beau. Du coup, il est en train de faire de la pâtisserie, de tester plein de choses. Donc c'est super. Ouais. C'est bien. Et puis après, je vais être obligé de manger tout ça. Sachez que la recette que je suis en train d'élaborer découlera également sur un concours pour vous. Ah, cool. Ouais, il y a un concours qui est signé pour vous. Donc, j'essaye de me bouger pour que vous puissiez gagner des lots cool avant Noël. C'est bien. Parce que je suis un mec sympa. Excuse-nous.
Mais c'est vrai, c'est bien, je pourrais prendre mon temps, mais j'aimerais bien qu'ils gagnent des lots pour Noël, les gens. Tu penses que tu peux gagner un lot pour des coupes chez le coiffeur ou pas? J'ai fait un shampoing. C'est pas très envahissant, les enfants, non? Ça va? Non, ça va? Oui. Elle est hyper autonome, ma fille. J'aimerais tellement avoir des cheveux comme toi, ma fille. Et elle a des cheveux deux fois plus épais que sa mère, quand même. Qui brillent et qui ont des reflets, des mèches magnifiques et tout. Mets tes jambes autour de ma jambe. Les jambes autour, voilà. Et là, est-ce que tu veux qu'on commence à faire un peu de déco de Noël dans la maison? Oui, on les apprend. Non, pas le sapin aujourd'hui, ce week-end le sapin. Bon, du coup, on va faire des courses. Il est tard, mais on va faire des courses. Et là, a besoin de se défouler aussi. Donc, on y va tous ensemble. J'adore ce manteau que je lui ai mis déjà cette semaine. Donne la main, donne la main. Qu'est-ce qu'il mange? Du pain. Du pain? Oh là là, la coquine. Il y avait des dégustations. Alors, elle se prive pas. Hein. Qu'est-ce que tu préfères, toi, ici? C'est les poissons? Ça te plaît, les poissons? C'est beau. Voilà. On vient de rentrer des courses. Bon, ça c'est le truc que Nico a fait tout à l'heure. Et ce soir, on va manger des sushis. Moi, je me suis acheté ça. Ça me rappelle trop ma jeunesse avec mes parents. On buvait tout le temps ça. Des boissons litchi. Quand on allait au restaurant chinois. C'est trop bien. Et qu'est-ce qu'on a acheté d'intéressant? Pas grand-chose. Si, ça. Saint-Hubert végétal. C'est au soja. C'est pas bio, mais c'est français. C'est du soja français, donc ne nous offensons pas. Hein ? Voilà, quand même, on essaie de manger au maximum bio, mais des fois, mais en fait, c'est moi, j'ai pas fait attention, parce que dans le rayon, il y avait tous les trucs bio, et j'ai pas... Je me suis fait avoir par le packaging. Et j'ai pris aussi ça, qui n'est pas bio non plus, donc pareil, je sais pas, j'ai pas réfléchi, en fait. C'est pas grave. C'est... Ambros gourmand et végétal délices de noisettes. C'est nouveau. Apparemment, c'est bon. Énorme. Oh, il est beau ton bonhomme, ma chérie. T'es trop forte. Regarde comme il est beau son bonhomme. Montre à papa. J'ai pas fini. T'as pas fini. Ensuite, j'ai acheté du pain que j'ai fait trancher. Celui-là, elle pouvait pas parce qu'il était chaud. Alors, elle pouvait pas me le trancher. Ça, c'est du pain complet et ça, c'est du pain à l'épeautre. Apparemment, niveau indice glycémique, c'est très bien, l'épeautre. Donc voilà. Ça tient bien. Ouais, tient super bien ta chantilly. Sinon, acheter des yaourts bio, on a acheté des Danonino, mais bio pour Ella parce qu'elle les aime beaucoup, ceux-là, et il n'y avait pas grand choix, on va dire. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre d'intéressant? Pas grand-chose, hein. Des œufs, plein de légumes et de fruits. Ah oui, de la pâte de curry, hein, parce que ça, c'est vraiment la vie. Wouah, tu lui as fait des cheveux? Non, c'est des tresses. Ah, des tresses, trop belles. Alors attends, je montre. Il est pas fini. Après, bon. Et là, quand elle fait les bonhommes, maintenant, elle leur fait le... Je montre. Elle leur fait le nombril et elle leur fait la minette aussi. Voilà, c'est la petite anecdote. Oui, on n'était pas trop obligé de savoir, tu vois. Elle rentre dans des détails, je sais pas pourquoi elle fait ça, mais bon, ça s'exprime par l'art. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Montre! Un chapeau? Non, c'est ses cheveux. Ah, waouh, trop belle! Elle a une franche? Waouh! Vous voyez les détails? En fait, à chaque fois, il dit qu'il est en train de faire pipi, c'est pour ça. Regarde! C'est quoi? Oh, un bonhomme! Bon, Ella est au lit. On s'est fait une petite sushi soirée, elle était trop contente. Mais elle s'est endormie qu'à 21h ce soir. Cet enfant est comme moi, elle n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, je crois. Et regardez Nico. Ça commande. Il s'est mis en mode adolescent, avec son casque et tout. Ça court. Il va jouer à la play. Ça va ? Play ce truc. Et moi, en mode adolescente, mais d'un autre style, je vais passer ma soirée. Non, pas de panique, voici le nouveau stylo de Luminothérapie. Ma soirée à regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, je vais voir, je vais alterner l'un et l'autre. Mes cheveux se sont bien rééclaircis, on voit, surtout cette lumière, que le roux commence à réapparaître forcément. C'est pas en une seule fois que j'aurai la teinte voulue, mais là j'adore la couleur actuelle. C'est un espèce de marron roux, c'est exactement ce que je voulais.
Je voulais en fait un roux très foncé pour l'hiver. Voilà. Et là, c'est exactement la couleur que j'ai. Je trouve ça très très joli. Mais ça va encore cracher parce que forcément, mon roux avait tellement délavé qu'il était presque blond. Donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on voit pas les racines quoi, avec cette couleur. On les voit beaucoup moins. Bon, là, elles ont pas vraiment repoussé pour l'instant, mais on les voit beaucoup moins. Parce que j'ai les cheveux quand même beaucoup plus foncés qu'il y a quelques semaines quoi. Mais je suis bien contente de cette couleur. Il y en a qui m'ont posé la question, qui m'ont demandé de faire un retour sur mon changement de couleur et comment je l'avais vécu. Alors moi je change de couleur comme de chemise. Genre j'ai été blonde, rousse, brune, cheveux noirs, tout. Ma couleur naturelle elle est quand même très foncée, je suis brune foncée. Donc là clairement c'est pas, ça me choque pas, c'est pas trop foncé pour moi parce que toute ma vie j'ai vécu avec les cheveux très très foncés, donc je suis pas choquée, je trouve que ça va bien avec mes yeux et tout, c'est ce que je voulais en fait. Ma coiffeuse elle est trop bien parce qu'elle me fait exactement ce que je lui demande et c'est pour ça que je ne changerai pas de coiffeuse. C'est une copine à moi en plus, donc c'est nickel pour moi, j'adore le résultat, je suis contente. Et Sabine aussi s'est foncé les cheveux mais je l'ai pas encore vue. Alors elle est un peu moins contente parce que ça lui fait vraiment un choc, elle était vraiment blonde et là elle est repassée au châtain foncé. Mais ça va cracher elle aussi, donc je pense que c'est très, ça va être très joli aussi, mais il faut que je la voie avec cette nouvelle couleur. On a pris un cadeau à Mona, on lui a pris les espèces de poupées peluches qui font des princesses, parce qu'elle est quand même petite. Je voulais pas prendre une vraie poupée en dur parce que je suis pas sûre qu'elle joue vraiment avec. Mais les poupées peluches, c'est celles qui sont toutes molles. Et on lui a pris Vaiana. Alors je cherchais un truc avec Coco mais j'ai pas trouvé parce qu'elle adore le dessin animé Coco, Mona. Et elle adore Vaiana aussi, en fait, c'est des musiques hein, surtout qu'elle aime. Mais donc je pense qu'elle va être contente. Demain on va lui amener si on a le temps. Alors demain c'est la première fois que Ella va aller en journée complète le mardi. C'est à partir de demain qu'elle commence. Bon, du coup aujourd'hui elle n'a pas été à l'école donc elle n'a encore pas fait une semaine, une vraie semaine. La semaine dernière il y avait la grève lundi, là elle était malade mais ça va beaucoup mieux. Elle tousse pratiquement, enfin elle tousse encore mais beaucoup beaucoup moins, donc je pense que c'est en train de se régler tout seul le truc, c'est très bien. Elle a plutôt un bon système immunitaire et là parce qu'elle est vraiment jamais malade et même quand elle chope un truc elle passe entre les mailles du filet, elle est un peu comme moi pour ça donc ça c'est cool. Et du coup demain on fait journée complète à l'école enchaînée avec la danse. Alors là il y en a plein qui vont se dire c'est trop pour un enfant de son âge, mais en fait il faut savoir que le mardi d'habitude je la récupère à midi, elle refuse complètement de faire la sieste à la maison et après on va à la danse, alors que quand elle va à l'école l'après-midi elle fait la sieste, donc je pense qu'elle sera moins fatiguée que d'habitude parce qu'elle aura fait la sieste et qu'en plus après le lendemain c'est mercredi donc elle va dormir comme elle veut. Et là elle est super contente de faire des activités donc je vais pas lui enlever ça. Franchement je vois comme elle est ravie de faire de la danse et même la piscine là, elle a trop hâte d'y retourner donc je sais que c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup, donc après de toute façon je la forcerai jamais à faire des activités. Moi j'ai de la chance parce que la danse c'est avec la prof, c'est une copine à moi donc voilà je la connais très bien. Et la piscine c'est encore plus avec une copine à moi parce que c'est Pauline, c'est vraiment une amie donc ça peut être que parfait parce que c'est déjà des gens que je connais et en qui j'ai complètement confiance donc les yeux fermés quoi. Bref c'était le moment blabla. Je vais aller me mettre dans mon lit, d'abord je vais me démaquiller et après je vais me mettre dans mon lit, regarder mes trucs tranquilles et je vous reprends après ma petite soirée détente. Détente pas trop parce que je dois me taper tout le linge à plier et ranger mais bon. Et j'ai dit aussi que je voulais trier les jouets dès là. Alors est-ce que je vais le faire ce soir ou demain? Je sais pas. Faut que je fasse un gros tri sur tous ces jouets là. Je vais dormir. Je vais me coucher. Cette tête n'est juste pas possible. Il est 23h30. Je suis dégoûtée de me coucher si tard. Et de n'avoir strictement rien fait de ma soirée à part regarder des vidéos et ranger du linge. Je me suis quand même pris d'une motivation certaine. Je n'arrive pas à rester une soirée entière sans rien faire. C'est horrible. Je vous jure, c'est une maladie ce truc. J'y arrive pas. Genre à me poser et ne pas bouger pendant 3 heures à regarder la télé ou quoi. C'est pas possible. Donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube, mais en même temps,
j'ai vidé entièrement mon placard de chaussettes, enfin mon tiroir de chaussettes, qui débordait de chaussettes et de collants en tout genre. Et j'ai fait un gros tri, j'ai viré 60% de mes chaussettes. Qui, enfin, franchement, j'aurais dû vous montrer, il y avait des reliques, quoi. Des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté ça? J'ai quand même des chaussettes, bon, je les ai gardées, celles-là, où il y a des sapins dessus. Mais j'avais des chaussettes en tout genre. Donc voilà, j'ai fait un tri. Mais après, je me suis dit, non, mais je peux pas arrêter là. Donc après, j'ai trié aussi le tiroir avec tous les soutiens-gorge, brassière, body, voilà. Ça m'a pris 3 heures. Et après, le tiroir à sous-vêtements, voilà. Donc en fait, ça m'a pris un temps fou. Et j'ai rempli un sac en entier de trucs que j'ai virés. Parce que tout à l'heure, j'ai dit à Nico, je n'en peux plus de cette maison. On vit dans un... En fait, c'est le bordel en permanence parce qu'on est encombré de choses inutiles dans notre maison. Et il faut qu'on fasse un gros tri dans cette maison parce que c'est insupportable en fait d'avoir tant de choses qui servent à rien et qui foutent le bordel. Bref, je vais vous laisser. Demain, j'ai envie de vous filmer une vidéo un peu particulière. Enfin, un nouveau format, enfin, un format différent d'habitude. Bref, vous verrez ça demain pour vous. J'espère que ce vlog vous a plu. Il n'est pas très long à mon avis. J'ai pas énormément vlogué aujourd'hui. N'hésitez pas à liker ce vlog, à le commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.